Et hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Missac, Méliné et le groupe Manouchian, les fusillés de l'affiche rouge. 22 février 1944, 5h du matin. À Marseille, un groupe de résistants réquisitionne un petit camion rempli de fleurs devant être livré au siège de la commandant Tour. Ça tombe bien, ils vont en profiter pour déposer des fleurs au pied d'une affiche rouge, une de celles recensant les visages des dix libérateurs morts pour la France fusillés la veille par les Nazis au Mont Valérien à Suresnes. Menés par Misak Manouchian, ils ont mené la vie dure à l'envahisseur en perpétrant attentat sur attentat dans les troupes allemandes. Qui étaient cet Arménien et ses complices qui ont donné leur vie pour la France L'histoire commence au printemps 1915, à Edesse, dans l'Empire Ottoman. Le petit Misak joue aux osselets avec des camarades lorsque des soldats ottomans arrivent. Accusés de collaborer avec les Russes, le gouvernement les chasse. C'est en réalité un plan d'extermination. Misak et son frère Garbed échapperont au génocide. Pas leurs parents. Ils seront confiés à un orphelinat de l'église catholique arménienne avant de réussir quelques années plus tard à émigrer en France. En 1934, Misak rencontre celle qui deviendra plus tard la femme de sa vie, Mélinée, lors du gala annuel du comité d'aide à l'Arménie. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Manouchian est arrêté comme de nombreux responsables communistes. Libéré, il s'engage dans une organisation clandestine pour lutter contre une inacceptable occupation. De mars à novembre 1943, le groupe Manouchian va multiplier les actions répressives contre les nazis, lançant des grenades dans des troupes en marche, faisant dérailler des trains ou exécutant des gradés allemands. Poussé par Madeleine Riffaut, l'invitant à s'intéresser au sujet, Jean-David Morvan détaille le destin du groupe d'activistes anarchistes et révolutionnaires mené par le poète, ouvrier et militant communiste Misak Manouchian. Afin de mieux comprendre le caractère du personnage et ses objectifs de liberté, Morvan remonte à son enfance. Les années de guerre sont narrées par le truchement de Méliné, racontant tout à un certain Charles Aznavourian. Les coups d'éclat du réseau s'intercalent avec des portraits de chacun des membres du groupe. Si seulement dix figuraient sur la célèbre affiche, ils furent en réalité vingt-quatre à être jugés par un tribunal militaire allemand et vingt-trois condamnés à mort. Thomas Cherkesian dessine la vie de Manouchian avec une pudeur faisant la part belle aux actions de résistance de son groupe. C'est son premier album. Il a été réalisé en un an. Pour tenir les délais et sortir au moment de la panthéonisation de Manouchian, tout un pool de collaborateurs est intervenu. Cherkessian a conservé le dessin de tous les personnages principaux, pendant que l'atelier The Tribe, créé par Morvan à Reims, s'est chargé des décors, des personnages secondaires ainsi que des incroyables images flash hypercutes de guerre. Les portraits des résistants, en pleine page, sont empreints d'émotion. Les acteurs fixent les lecteurs avec une détermination et une fierté courageuse. Poignant. Les couleurs, références à l'affiche rouge, donnent le ton de l'époque. Il y a juste un abus de trame qui n'était pas nécessaire. On ne peut s'empêcher d'avoir les larmes aux yeux en lisant la dernière lettre de Missac à Mélinet. En février dernier, 80 ans après son exécution, Missac Manouchian, entre au Panthéon. Il était temps que la France reconnaisse cet artisan de la liberté. L'album accompagne cet hommage. Il contribue avec force au devoir de mémoire. Missac, Méliné et le groupe Manouchian, Les Fusillés de la Fiche Rouge par Morvan, Tcherquesian et par aux éditions Dupuis, Boulevard BD, un podcast audio en cité dédié à une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao